Hey, salut mon pote. T'assures grave, mec. Vous êtes notre rayon de soleil. Je vous en prie, monsieur Hubert. T'es le meilleur, mon gars. Bizarre, les gens aujourd'hui, tu trouves pas? Non, pourquoi? Merci pour cette belle journée, Hubert. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Alors, que nous réserve le ciel aujourd'hui? Nuages et pluies sont... T'es le nouveau monsieur météo? C'est génial! Tu vois, 10 millions de personnes attendent de moi une réponse. La réponse. Le temps qu'il va faire. Alors l'important, c'est de leur faire traverser toute une palette d'émotions. Angoisse, espoir, rêve, rire. Météo égale suspense, tu comprends? Écharpe ou Bermuda? Goutonnée ou sueur au front? Quel que soit le temps, je dois dérouler le drame céleste. Coup de tonnerre, coup de soleil, mais surtout, coup de théâtre. Ouais, des présentateurs météo, quoi. Serions-nous jalouses? Aujourd'hui, un front de jalousie déferlant du nord-est provoquera des averses de mauvaise humeur sur ta caco. Attention, risque de ronchonnement sporadique sur toute la zone. Quel temps pourri! Je l'avais annoncé. Yo, mon pote! Bonjour, chère madame! Oh, merci pour tant de cochons, hein! Y'a vraiment pas de quoi s'en vanter! Hello! Sacré GG, toujours le mot pourri! On dirait que le vent a tourné. Être annulé pour le beau temps et détesté pour le mauvais. Cruelle destinée. Y a pas que la météo dans la vie. Change-toi les idées. Tu voulais pas éviter Jennifer? T'as raison. Bonjour, Jennifer. Enfin, on avait parlé de se voir. Ah, désolé, mais avec le temps que vous nous faites, on a plutôt envie de rester chez soi. Allô? Patron, je démissionne. Relisez votre contrat, mon vieux. La clause en petit caractère, tout en bas. Te laisse pas faire, Hubert! J'ai signé. Je suis avec toi, mon pote! On va trouver un autre moyen! Il faut que j'enregistre mon nouveau bulletin. Je viens avec toi. Non, je dois affronter mon destin. Seul. Maman, c'est le méchant monsieur qui fait le temps pas beau. Il m'a gâché mon pique-nique. Il m'avait attrapé un rhume. Pas les pattes! Accroche-toi, mon Hubert. C'est ça qu'on puisse attraper les... Je peux y aller. Antenne. Madame, monsieur, bonsoir. La dépression venant de l'Est continue de nous donner... de nous... Je suis désolé! Aucune chance d'avoir un ciel bleu du sud au nord. Aucune. Mais alors, aucune! Pardon! Je vous demande pardon! À l'ouest, les températures vont encore chuter. J'ai pas fait exprès! J'ai pas fait exprès! Ça va pas le faire, à mon tour! Bon, on va pas se mentir, le temps est pourri! Mais y a pas de quoi en faire une crise, la vie continue!
Tiens, toi, depuis combien de temps t'es pas allé au ciné avec ton fils? Et toi, quand est-ce que tu comptes finir ton nouveau jeu vidéo? Et la salle de sport, elle est fermée quand il pleut. Suivez mon regard. On coupe? Non, laisse. Attends, chien, c'est la bonne occasion pour inviter un ami au resto. Et si t'aimes personne, c'est le prétexte idéal pour rester chez toi. Moi, perso, quand il pleut, je joue de la guitare. Moi, je fais des puzzles. Mais oui, il y a plein de trucs à faire. L'important, c'est pas le temps qu'il fait. C'est ce qu'on fait de notre temps. À bas la dictature du bon temps. Bonne pluie, les petits. À demain. Coupez la mouche dans mon bureau. On se retrouve à la maison, hein? Maman, c'est le monsieur qui vient de parler à la télé. Les enfants sont formidables, hein? Pour Hubert, hip hip hip. Restez comme vous êtes, hein? De rien, c'est tout naturel. C'est réglé, je me suis arrangé avec le patron pour que tu sois libéré de ton contrat. Ça veut dire quoi exactement, libéré de mon contrat? T'es viré! Génial, non? Et pour cette soirée pluvieuse, un seul conseil. Allez vous réchauffer dans une salle de concert. À demain, les petits monstres. C'était ma place! Averse de jalousie sur Hubert avec risque de grêle belliqueuse. On voit parfaitement sur l'image satellite déferlante de je ne sais pas ce que je veux sur toute la zone. T'es arrivé à temps? Ouais, enfin, fais gaffe quand même, hein, je peux pas toujours être derrière ton dos. Hello, welcome, bonjour. pardon, vraiment, on est désolé. On a eu un hiver très doux cette année. C'est vrai que c'est agréable. Vous connaissez la région? C'est la première fois que vous nous rendez visite, peut-être. Voilà, voilà! Servez-vous tant que c'est chaud. On est bête! Monsieur n'a pas le même régime alimentaire que nous. Mais oui, t'as raison. Sandwich? Gâteau. Je crois qu'il m'en veut encore. Oh, faut toujours que tu dramatises. Il est juste lessivé. Ça fait quand même une trotte de la planète Zidano jusqu'ici. Allez, zou! Un petit bain pour se détendre. J'ai mis de l'huile de fenouil à la mandarine. Vous allez voir, c'est divin pour libérer les tensions. Tu crois que ça respire sous l'eau, un Zardox? On est en train de le perdre! J'ai rien! Vous faites quelque chose! Reste avec nous! T'as pas le droit de mourir! T'es sûr qu'il est là, son cœur? Non, parce que si ça se trouve, t'es en train de masser ses doigts de pied, là. Au début, il voulait le découper en morceaux! Le problème, c'est qu'il nage comme un caillou! Et qu'on a confondu son cœur avec ses pieds! Pitié! Sauvez-le, docteur! Calmez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. C'est à cause de moi! Je me déteste! Allez, allez. T'inquiète, il va s'en sortir. Alors, docteur! C'est rien. Un peu de repos et tout rentrera dans l'ordre. Yes!
Par contre, vous deux, vous allez me prendre Variflex 2000 3 fois par jour, Calmo 500 mg après chaque repas, Nifluor en suppos toutes les 2 heures et pulvérisateur psychopchite en cas de crise. Consultation gratuite, c'est cadeau, plaisir d'offrir. Mais n'oubliez pas, les enfants, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ah oui, la température est bien descendue quand même. On va lui mettre un bon film, ça va le détendre. Attention, hein, pour la purée de concombre, il faut acheter très fin. Ils font ces trucs avec la 3D, on croirait que c'est pour de vrai, hein. Hubert, faut voir les choses en face. Partout, les Ardocs sont martyrisés. On est des monstres. J'ai honte d'être Taurienne. Faut pas exagérer, il y a juste un léger manque de communication. Tu crois qu'ils vont se laisser faire longtemps? Si ça se trouve, ils préparent en secret une attaque massive. Genre... une invasion armée? Avec des robots pieuvres? Et des marmots géants? En plus, ils sont forts en karaté, les Ardocs. C'est la guerre des mondes! Tous aux abris! J'ai mieux! On va libérer tous les Ardocs et rétablir la paix dans la galaxie! C'est possible, ça? Non. Esclavagiste! Avec ou sans toi, les Ardocs trouveront le chemin de la liberté! Révoltez-vous, compagnons! La tyrannie n'a que trop duré! Oh, les feignasses! Faut vous secouer un peu, on va pas faire tout le boulot à votre place. Hep, 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 si tu touches, tu payes. Au diable l'avarice, moi j'achète tout le stock. Vraiment? Tonnes et 930 kilos qui nous font 568 050 € et 24 centimes. Camarades Ardocs, vous êtes libres! Alors, les toilettes sont au premier. Merci de ne pas monter dans les chambres avec vos chaussures. Le calendrier des postes? Non merci, on a déjà donné. En tant que représentant du peuple Ardox, je vous prie de cesser instamment de nous comparer à des légumes crétins. Dans le cas contraire, nous serions obligés d'envahir votre misérable planète et de vous réduire en esclavage pour une durée indéterminée. Monsieur a une pièce d'identité? Un passeport? Sinon c'est trop facile, hein? N'importe qui peut se vanter d'être un Ardox. Pipo pipo! C'est pas beau de mentir, hein? Ouh, le gros vilain! Alors, c'est pas un terrien qui serait capable de faire ça, hein? Pas mal. Et tu peux toucher le bout de ton nez avec la langue? Moi, j'y arrive! Vous arrêtez vos âneries ou je tranche dans l'art! Dernier avertissement! N'empêche, la langue, y arrive pas. T'en fais des concombres, hein? Ouais, dommage que j'aime pas ça. Bah, tu pourrais être poli avec nos invités. Excusez-la, les gars, elle pense pas ce qu'elle dit, hein. Mon amour propre. Demande si t'as besoin d'un coup de main. Parce que madame a les ailes, madame donne des leçons. C'est pas de ma faute si t'es esclave de la gravité, tandis que moi je virevolte avec la grâce d'un ange. On avait dit pas le physique. Le prends pas pour toi, mais personne n'a jamais vu de cochon volant. Oleg Porkoroskov. Le premier cochon dans l'espace, c'est accessoirement mon arrière-grand-oncle. Peut-être que les cochons ne volent pas, mais ils sont allés dans l'espace. Alors que les mouches, non. Wouah! Cool! Hubert, si on le faisait!
Toi, tu suis la tradition familiale et moi, je deviens la première mouche dans l'espace. Oula, non, mais c'est hyper compliqué de devenir astronaute. Faut faire des études, du sport, un régime. Tu te rends pas compte? Ça y est! On est inscrit au programme d'entraînement de l'agence spatiale. J'espère qu'il n'y a pas trop d'attente. Salut! Prêt pour les tests, commandant. Entrez. C'est pas le scaphandre. Je vous laisse, j'ai piscine. À plus. On est dans le simulateur, Hubert. Tu réalises la chance. C'est la première fois qu'il est testé sur des vrais gens. Bon ben, bon app. Ça creuse l'exercice, hein? Dis-moi franchement, ça me fait des grosses fesses. T'as des boutons pour régler la taille. Tu trouves pas qu'ils ont une odeur de croquettes, ces scaphandres? Non, je sens rien. Gauche, clade, zoom. Gensluk, oum, ur, kip, kip, kip. Si je peux me permettre, l'accent tonique est sur le premier kip. Là, tu viens juste d'insulter sa mère. Tiens, ça sert à quoi ce truc? Je crois que... Ça fait rien, c'est nul en fait. Tu nous imagines dans l'espace où je suis trop impatiente d'y être? Pas toi? Moi si, pas toi? À moi! Je veux sortir! Laissez-moi sortir, je veux sortir! À toi, Hubert! Tu réponds un papillon à chaque fois et c'est dans la poche. Fais gaffe, hein? Il paraît que c'est une épreuve éliminatoire. C'est un nain sans sourcils qui mange de la barbe à papa. Ma grand-mère qui tricote un castor avec une cocotte minute. Un cyclope sans orteil chevauché par un cow-boy myope. Oh! Pauvre Hubert, il va être super déçu. C'est cool, ces tablettes, hein? Comment ça marche? J'y connais rien en informatique, moi. Oh non, c'est déjà terminé! Bon ben, on attend les résultats, hein? Allez, salut! En route pour les étoiles! Ça vient de l'agence spatiale! Oui. On est reçus! On va dans l'espace! C'est pas possible! J'ai fait exprès de rater le dernier test! Je l'ai dit ou je l'ai juste pensé? Mais pourquoi? Je croyais que c'était ton rêve d'aller tutoyer les étoiles! Mais c'est super dangereux, l'espace! Une toute petite erreur de calcul et paf! On finit dans une météorite! En plus, il y a des martiens! Tiens, pensez aux martiens! Je comprends. Pas de problème, n'en parlons plus. C'est vrai? Tu m'en veux pas? Mais non! C'est juste un voyage dans l'espace, c'est pas grave. Moi qui pensais que tu serais furieuse. Tu rigoles, on va pas se prendre la tête pour ça.
Tiens, des slips de rechange. Merci, on va quelque part? Ouais, notre taxi nous attend. Allez, un peu de courage. On va au bout de nos rêves, Hubert. Non, ne pas y aller. Bon, tu finis ta tasse et on s'en va, ok? Attends un peu, on vient juste d'arriver. Moi, content vous venir. Pas beaucoup visite. Vous vouloir encore thé? Après, jouer charade. Après, dormir. Et après, jouer encore charade. Il est charmant. Tu vois, on sait recevoir dans la famille. Misérable humain, nous allons tous vous détruire. Non, mais t'imagines si les Martiens débarquaient vraiment? Abandonner un chaton? Faut vraiment être un monstre pour faire ça, tu trouves pas? Gouzi, 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 aïe, il est trop chou. Chou, chou, chou. On le garde, hein? Hein, dis? J'ai le choix. Non. Je vous écoute, agent 993. Opération invasion en rapport. Le protocole de séduction est un succès, maître. Le sujet mâle est sous mon emprise. Les terriens sont des proies faciles. Nous allons pouvoir lancer l'opération à grande échelle. Et la femelle? Elle semble réfractaire. Si elle me résiste, je la neutralise, hein? Débrouillez-vous, mais tâchez d'être efficace pour une fois. Vous ne serez pas déçus, maître. Hubert, le chaton, c'est un extraterrestre! Il veut envahir la Terre! Dis-lui de pas faire trop de bruit. Il est mimi, le chacha, qu'il est mimi, le chacha, ton papa. Hubert, on peut se voir deux secondes? Oh, mais c'est le chat minou d'amour. Comment il va, les titiers, sa mémère? Il a faim? Ok, il a faim. Il est gourmand, le petit canaillou. Allô, t'es avec moi, Hubert? Il est mimi, le chacha, son papa. Laisse tomber. Elle est pour qui, la belle niniche? Elle est pour le chatounet. Mon transmetteur! Comment je vais faire pour lancer mon invasion, petite sotte? Bah, il est vaché, le chat minou! Dis à maman! Pauvre terrien, ils sont tellement crétins que j'aurais presque pitié. Plan B. Nous allons construire une antenne avec les moyens du bord. Il ne manque plus qu'un bismuteur ondulaire que vous autres barbares appelez grippe. Je vais en acheter un en ville. Toi, la mouche, tu restes ici à surveiller le matériel. À vos ordres, mon chatounet! Comme il est mignon! Oh, oh, trop craquant! T'as vu le chat devant? Il dit que t'es tellement moche qu'on sait pas de quel côté est ta tête. Il veut des papouilles, les toutous! Il aime ça, les chichés! Hé, hey, les filles! Regardez le petit chaton, là-bas! Écolière à 3 heures. Attaque! C'est bouqué, les guillemets! Il est trop chou! Et la langue de l'estompe rapin! Comment tu t'appelles? Et le petit nez? Il est mou aussi, le petit nez! C'est mou, chatounet d'amour! Assez perdu de temps. Allons acheter ce grippin. Oui, mon minou.
Ça marche. L'opération invasion va enfin pouvoir entrer dans sa phase active. Mais avant... Tu crois que j'ai pas remarqué ton petit manège? Soumets-toi ou je te pulvérise. Attaque! Elle veut des câlins, la petite mouche. Galet! Elle veut des papous, la mouche à ton papa. Allez, viens voir papounet. Viens faire un boudou. Tu veux un câlin? Tu veux un câlin? Non, merci! Câlin! Hubert, arrête, ça devient gênant, là. Qui c'est qui va faire un gros bisou à ton papa? Qui c'est? C'est fini pour toi, sale petite mouche. Achève-la. Câlin! Stop! Arrête ça! C'était quoi ce bruit insupportable? Le petit chaton à sa mémère serait-il sensible de l'oreille? Et ça, il aime, hein? Et là, non? Toujours pas? Arrête! Oh, c'est insupportable! Opération invasion annulée! Je répète, opération invasion annulée! Repli immédiat! Bye bye! Bah. Il est où mon chaton? Oh ben, tu sais, le chat, ça va, ça vient, ça n'a pas de maître. Dommage, on s'amusait bien. Enfin, je crois. Bouge pas, j'y vais. C'est qui? C'est rien. Des gamins qui s'amusent avec la sonnette, laisse tomber. Jennifer, mon cœur n'était que pierre avant qu'il ne soit émietté par votre grâce. C'est meurtri mais plein d'espoir que je me jette à vos genoux. Un voyage alors? Ou une rivière de diamants? Non, je sais, un chien. C'est gentil mais ça ne m'intéresse pas. Oh, dites-moi, Jennifer, que faut-il faire pour vous séduire? Eh bien, l'homme de ma vie doit être capable de... me décrocher la lune. Bonne journée. Je sortirai jamais avec Jennifer. T'inquiète, on peut pas décrocher la lune, mais on peut y aller, hein. Aller sur la lune? Vraiment? Ben ouais, va chercher Jennifer, je m'occupe du reste. Wow. Mais Hubert, quand je parlais de décrocher la lune, c'était une image. Non mais c'est sur ma route alors, c'est... Je vous dépose? Avec plaisir. Vous avez toujours autant de goût, Hubert. On se croirait dans votre salon. C'est ça, le progrès. Maintenant, les voyages dans l'espace, c'est comme à la maison. Si vous voulez bien regarder l'écran pour les consignes de sécurité avant le départ. À la Bourse de Paris, plus 4,32%. Tokyo qui clôture également en hausse de 1,2 points. À New Delhi, les valeurs restent stables. Londres prend 2 points et à l'ouest, rien de nouveau. Mais tout de suite, l'analyse de nos experts sur le marché des assurances. Dans un contexte en berne, la fluctuation des taux ne dépasse pas 0,5%. Hein, quoi? On est déjà arrivé? Mais... elle est où, la lune? Hubert, on fait semblant d'y aller. Rassure-moi, t'avais compris. Et Jennifer? Elle va être terriblement déçue. Mais pour qui je vais passer, moi? T'inquiète, c'est pas terminé. On passe à la phase 2 du plan. Hubert?
Hello. Alors, heureuse? Hubert, c'est incroyable. Vous m'avez vraiment décroché la lune. Vous êtes génial. Je croyais que la pesanteur était plus faible que sur la Terre. Faut juste le temps de s'habituer. Oubliez pas votre oxygène, hein, c'est pas respirable ici. Oh, oh Jennifer, vous bondissez avec la grâce d'une danseuse étoile. Merci. Vous venez? Oui, oui, je... avec plaisir, oui. Vous... vous savez... oui. Jennifer... il y a une chose que j'ai toujours voulu vous dire. Les tricheurs, je vais... Regardez, c'est la constellation du cygne. Et là, celle du cochon d'Inde. Jennifer, je voulais vous dire, chaque fois que je vous croise, mon cœur ne cesse... Qui veut faire un tour de buggy? Moi! Bon, alors, Jennifer, ce que j'essayais de vous dire... à chaque fois que... Qui veut des tentacules de Zardox déshydratés? Oh, c'est rigolo. On dirait des haricots verts. On mange pas en dehors des repas. C'est contraire au règlement du cosmonaute. Aïe! Viens là, toi. À quoi tu joues? J'ai pas une seconde avec Jennifer. C'était mon idée, cette sortie. Jennifer! Il vous mente! C'est un grossier canular! Les sbires du sénateur Octar nous ont repérés! Un extraterrestre? Je peux le voir? Tout ceci n'est qu'une mascarade! Croyez-moi! Mais il parle notre langue? Tu me fais pas peur, face de méduse! En garde! Stanislas? À nous deux, créatures de l'espace! Vous me reconnaissez? C'est moi! Ennemis de la Terre, craignez ma foudre! Capitaine Hubert est là! À toutes les unités, j'ai capturé une créature non identifiée. Hubert, vous m'avez menti. C'est pas sa faute, c'était mon idée. Il voulait tellement vous faire plaisir. Oui, je... comment dire, c'est... enfin, je... c'est qu'à la base, c'était pour... rapport au fait que... la lune. Vous vouliez la lune, alors bon, ben, c'est pas complètement réussi. Voilà, quoi. Vous savez, Hubert, la lune, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être avec les gens qu'on aime, comme aujourd'hui. Vas-y, fonce! Rattrape-la! Elle m'a fait un bisou. Jennifer m'a fait un bisou. Il a déjà totalement intégré notre langage. Fascinant. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas un extraterrestre, laissez-moi sortir! Tu vas nous chercher une petite glace? Ok, mais tu fais la vaisselle ce soir. Vendu. Ça va pas durer comme ça! Il y avait une grosse bête dans le frigo! Oh. Salut, frangin! J'ai vu de la lumière dans le frigo, alors je suis entré. T'as un frère, toi? Alors comme ça, il t'a jamais parlé de moi. Eh, je te fais honte ou quoi? Il est pas présentable, le grand frère Oscar? Oula, j'avais oublié! On est invité chez Jean-Michel ce soir. Dommage, tu repasses un autre jour.
C'est qui Jean-Michel? Sacré frangin! Il est impayable avec ses amis imaginaires. Quand on était môme, il parlait aux patates. Et c'est pas la meilleure. Il t'a raconté comment il se faisait racketter par une bande de poussins à la ferme. Oh, pauvre chou! Non mais t'inquiète, je suis intervenu. Qu'est-ce qui nous arrive? Oula, rien, je crois, enfin j'espère. J'ai l'impression que je te laisse pas indifférente. Je me trompe? T'es vraiment lourd avec tes histoires, hein? Tu vois bien que ça n'intéresse pas. Ok! Excuse, j'avais pas pigé que vous étiez... ensemble. Bien, on va mettre les choses au point. C'est pas du tout ce que tu crois. En fait, on n'est pas vraiment ensemble. Mais ça n'empêche pas qu'on habite ensemble. On est partenaires, si tu veux. Mais comme pour le patin à glace. C'est ça, on fait la paire comme les castagnettes. Ou les lunettes. Les bottes. Ciseaux. Oreilles. Genoux. Pas mieux. Je crois que j'ai pigé. Vous filez le parfait amour, mais badaboum, je débarque. Mon charme dévastateur sème le doute dans le cœur de la petite. Et là, c'est le drame. Elle sait plus qui choisir entre toi et moi. Bon, je vous laisse à maman pour faire le point. En attendant, je vais piquer un petit roupillon. T'as changé les draps, j'espère. Voilà mon plan. On vérifie son sommeil en mesurant son rythme cardiaque. On l'extrait du lit avec une grue. On le transporte en hélico jusqu'en Ukraine. On le dépose dans une grotte. On rentre à la maison. Et on mange une glace. T'as pas plus simple? Oui, t'as raison. La glace, c'est pas raisonnable. Non, il suffirait de lui dire que je t'aime. Il se prend un bon râteau. Et bye bye la peau de colle. Proposition extrêmement déplacée. Faisant comme si tu n'avais rien dit. Ça va, je vais pas te manger. De toute façon, t'as rien à craindre, t'es pas mon genre. Alors, poupée, je t'ai manqué? Écoute, c'est vrai que t'es... mignon. Mais c'est Hubert que j'aime. Pourtant, j'ai cru comprendre que je te plaisais pas. Mais si! C'est toi le cochon de ma vie. Oui? Mais t'as pas toujours dit ça? T'es bête, c'était pour rire. Aïe! Mais c'est qu'elle me taperait en plus! Tu pourrais faire un effort! Tu pourrais être aimable! Tu pourrais être moins crétin! Désolé, t'as eu ta chance, frérot. On va faire un tour? Pourquoi pas, ouais. Entre deux boulets, mon cœur balance. Les traîtres tombent le masque, hein? Bon débarras! Accroche-toi, poupée. J'aime la vitesse. On se sent tellement libre. Un peu comme l'oiseau. Fais gaffe devant. Arrête ton machin, tu vas écraser le chat. Ah, c'est marrant. Moi aussi, je suis un dingue de musique. Dans tout le quartier que tu t'épiles les sourcils. Merci de m'avoir...
m'avoir laissé tomber. C'est classe. Ben quoi? Je pensais que tu serais contente, vu que je suis pas ton genre. Attends, t'es jaloux, là? N'importe quoi, l'autre. Non, mais c'est sérieux, Hubert. Si ça se trouve, t'es amoureux de moi! Arrête! C'est pas possible! J'aurai des symptômes! On est mal, là, on est mal! De la fièvre! On est mal, là, on est mal! Des boutons! On est mal, là, on est mal! Je suis fichu! Eh, c'est pas du jeu, j'avais pas fini mon tour! Toi, c'est pas le moment! Ouais, tous les tests sont positifs, Hubert. T'es bien amoureux de moi. Mais comment j'ai fait pour choper ça? C'est pas normal! C'est peut-être à cause des sushis de l'autre jour, ils avaient pas l'air frais! Ou une morsure de poney infectée, va savoir! Cherche pas. L'amour, ça t'arrive dessus sans prévenir. Comme un congélateur tombé du ciel. Un congélateur sur la tête, je m'en serais souvenu quand même. N'empêche, quand je vais dire ça aux copines, elles vont pas le croire. Personne doit être au courant! C'est secret médical! Eh bien, j'écoute. Salut les amoureux! On a reçu votre SMS, c'est génial! C'est pour quand le mariage? Ouais, parce qu'il faut qu'on achète nos robes! Je vous rappelle, les filles! Il n'y a plus de réseau! Je vais te... On panique pas! Essaie de penser à une autre fille! Une autre fille? Mais qui? Jennifer! Bonjour, Hubert. Bonjour, Jennifer. Tu parles? Elle voudra jamais de moi. Fais confiance à un expert, mon gars. Test micro, 1-2. Agent Hubert, 789 564. Vous me recevez? Reçu 5 sur 5! Cible en vue! Go, go, go! Bonjour Hubert. Parfait. Maintenant, tu répètes après moi. Moi aussi, je fais du parachute. Quelques incidences. On est fait pour s'entendre. Sale temps, n'est-ce pas? Ça vous dirait de venir boire un lait fraise chez moi? Ok. Yes! Champion du monde! Quelle cruche, cette Jennifer! J'arrive pas à croire que ça marche. C'est bon pour nous, ça, bébé. Je suis pas ton bébé. Pigé! Merci. Tu sais ce qui me plaît chez toi? J'adore tes petites pattes poilues. J'adore tes petites pattes poilues. C'est gentil. Hubert, avant d'aller plus loin, il faut que je vous demande quelque chose. On se réveille! Il se passe un truc important, là! C'est au sujet de cette petite mouche. Vous êtes ensemble ou pas? Soyons sérieux, Jennifer! Vous m'imaginez avec une mouche? Et pourquoi pas un oursin? Non! J'aime les vraies filles. Comme vous. Tu as pensé à refaire les joints de la salle de bain? Jennifer! Je vous avais pas vu, c'est tout moi ça. J'ai tendance à zapper les gens transparents. Non mais je croyais que... De quoi? Merci Takako, je gère la situation. T'es encore là toi?
t'as pas les joints de la salle de bain à faire? Il faut que j'y aille. Je vais être en retard à la piscine. Je viens avec vous. Sois raisonnable, mon amour. Avec des verrues plantaires, c'est pas conseillé. Salut! T'es amoureuse de moi et t'as rien dit? Si ça se trouve, c'est toi qui m'as refilé le truc! Rien à voir! C'est l'autre asperge qui m'a manqué de respect! Je suis pas petite! Je suis parfaitement proportionnée! Bon, il faudrait se décider! C'est Hubert, ton amoureux, ou c'est moi? Je sortirai jamais avec toi! T'es gentil, mais tu me plais pas! C'est assez clair ou faut que je te fasse un dessin? C'est pas grave. Il y a des mouches qui aiment les gros porcs, tu sais. Salut les amoureux! Oh, Hubert a déjà choisi son témoin pour le mariage. Ils perdent pas leur temps, hein? Ça fait quoi d'être amoureux pour de vrai? C'est comme si des choux-fleurs multicolores brillaient de mille feux dans le ciel de mon cœur. C'est comme voler au-dessus d'un champ de loukoum parfumé à la lavande et au chorizo. Ouf! C'est bon. On n'est pas amoureux. Ouais. Imagine, l'autre jour, il est encore sorti avec ses copains sans prévenir. Ouais. Tu crois pas qu'il pourrait passer quand même un petit coup de fil? Ouais. Parce que moi, je m'inquiète en attendant. Ouais. Bon, bah, maintenant, elle veut des enfants. Je crois que je suis pas prêt, en fait. C'est trop tôt. On va plus avoir de temps pour nous. Elle se rend pas compte. En plus, je suis... C'est à toi de faire la vaisselle ce soir. Ouais, mais j'ai pas envie. On verra demain. On verra demain. On mange quoi ce soir? J'ai commandé des pizzas. Encore? C'est la cinquième fois cette semaine. Vite, j'y vais. Oui? Quatre fromages? Faites-moi plaisir, gardez la monnaie. Merci. De rien, c'est moi. À très bientôt, vite, hein? Une vraie petite midinette, hein? Où est passée la farouche ta caco? Eh oh, joue profil bas, hein? Parce que toi, avec Jennifer... Quoi, moi, avec Jennifer? Ça n'a rien à voir. Jennifer est avant tout une brillante étudiante. C'est normal qu'elle m'impressionne. Mais ton roi de la pizza sans cervelle... Sans cervelle? Non mais regarde la complexité d'une pizza. La structure circulaire, la répartition des pépéronis, la gestion thermique des différents matériaux. Bosser dans la pizza, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Tu me permets d'exploser de rire. Boum. Fais-toi embaucher si c'est si facile. C'est ridicule. T'as peur, c'est ça, hein? Ouh, il a peur de pas avoir le niveau. Oh yeah, brave Jean. Hubert se dégonfle. Ok, je vais passer l'entretien. J'y crois pas. Il y a même une épreuve de physique nucléaire. Monsieur Hubert, parlez-moi du premier principe de la thermodynamique. C'est très simple. Oh.
Je vais peut-être prendre un ou deux cours particuliers, hein. J'en ai pas vraiment besoin, c'est juste pour le plaisir de retourner à l'école. C'est pour moi! Bonjour. Eros Apollonides, votre professeur de physique. Allez, un peu de concentration et tout se passera bien. Comme je vous disais, mon travail à la pizzeria est temporaire. J'espère décrocher un poste de chercheur à l'université. Mais je suis sûre que vous allez trouver Eros avec tous vos talents. Alors, cet exercice? Il a pas l'air, hein, mais il est intelligent. Son problème, c'est qu'il ne s'applique pas. Oh, si seulement il voulait s'y mettre. Hein? Voyons ça. Bon, on va reprendre au début. Combien j'ai de doigts? Tu as les bases, petit. À toi de jouer. Et fais un effort pour une fois. T'es pas ma mère, hein? Je suis pas sa petite copine non plus. Vous, tu restes prendre un verre? Désolé, on m'attend. Allô? C'est pour une pizza en express? Alors, qui est-ce qui a été embauché? Umberto! Eros n'est pas là? En congé, je le remplace. Avantageusement, hein. Poivron, un choix? Viens là, toi! Tu quittes ce petit ton méprisant! T'as été embauché, ok. Mais t'es loin d'avoir le niveau d'Eros. Parce qu'il n'y a pas que la physique nucléaire dans la vie! Il y a quoi? Le physique tout court! Tu peux développer? Moi, ça manque d'animalité. Et de l'assurance! Le livreur de pizza, c'est le chevalier des temps modernes! Ya, ya! Là, là, tout doux, bijou. Poivron, un choix. Pizza. Désolé, j'ai une livraison express. Je suis avec toi. T'es pas ma mère. Je suis pas ta mère, mais je suis ton coach, ta conscience et ton ami. Mon ami? Au premier beau gosse qui passe, j'existe plus. Il est chou, hein? Il est parfaitement fade. Oui, oh, toi, c'est pas mieux, hein. Elle a le charisme de chihuahua, ta Jennifer. Les chihuahuas sont très intelligents et très raffinés. Oh. Hubert, oh, bah, je savais pas que vous étiez livreur de pizza. Félicitations pour l'embauche, petit. Tenez, gardez la monnaie. Bon ben, je t'invite au resto. Chinois alors. Entre nous, je trouve le vigile un peu lourd, hein. T'es pas capable de lui dire en face. T'es une vraie gamine, hein. On a passé l'âge de jouer à ça. Dégonfler! Ah, vraiment? Tu vas voir le dégonfler. Excusez-moi, jeune homme. Pourriez-vous m'indiquer le rayon choucroute, s'il vous plaît? Merci, mon brave. Vous êtes bien pénible. Tu disais?
t'es pas cap. Hors de question. Je fais juste une petite pause afin d'analyser les difficultés techniques de l'épreuve. Ça va, c'est pas si compliqué d'embrasser une fille. À moins que... tu l'as jamais fait, c'est ça? L'autre est n'importe quoi. Bien sûr que si, hein, plein de fois même. Hein. Oui, bon, c'est vrai, je l'ai jamais fait. Voilà, t'es contente? C'est pas grave, tu sais. Mais je vais relever le défi. Impossible n'est pas humain. Attention les yeux. Je vais réaliser en direct live le truc le plus dingue jamais vu depuis l'invention de la couette chauffante. Ta-da! Merci. Merci, public adoré. Tu plaisantes, j'espère. Quoi? Elle est blonde et douce. Elle sent bon le propre. C'est une fille. Défi relevé. Cap. À ma connaissance, les filles ont un cerveau, pas les éponges. Désolée, ça compte pas. Bonjour, voisin. Hello! Petit ménage de printemps. Faut que ça brille, hein? Pas cap d'embrasser Jennifer. Mais tu te rends pas compte? Jennifer, je l'aime. Et alors? Ça devrait t'aider au contraire. Oui, mais non, c'est beaucoup trop tôt. Jennifer, c'est la femme de ma vie. Si je rate mon coup, c'est fichu. J'aurai pas de deuxième chance. Pas cap, on arrête là, je gagnais. Hubert n'abandonne jamais. Hubert va le faire. Hubert va embrasser Jennifer et te clouer le bec. Ok, mode opératoire. Elle sort de son travail, je l'aborde. Au détour de la conversation, je lui dévoile mes sentiments. Folle de joie, elle se jette à mon cou et m'embrasse en retenue. Simple et efficace. Traîne pas, Casanova. Il y a de la concurrence. Et alors là, je lui dis, eh ben mon Pierrot, t'aurais pas monté le carbu à l'envers des fois? C'est rigolo, non? Dites donc, faut pas vous gêner. J'étais là avant. Hubert, vous connaissez Alphonse de la sécurité? Hubert? Alphonse? Alphonse Hubert? On se connaît. On a eu quelques différends dans le passé. Je voulais en prendre 2 secondes. Écoute, j'ai pas envie de m'énerver. Tu t'éclipses discrètement et on en reste là. Ok? Je vais te taper. Très drôle! J'adore ton humour, petit. Vraiment? Besoin d'un coup de main? Disons taekwondo, ça peut servir. Heureusement que t'es arrivé, je l'aurais massacré. Alors, ce bisou, cap ou pas cap? Hein? Cap? Trop facile, même. Ça va aller? Hubert, je le sens pas, t'as l'air mal à l'aise. Non, je peux pas. Non! J'en étais sûre, t'es pas cap! Non! Je peux le faire! Je vais le faire! Je le ferai! Faire quoi, Hubert? Il a pas l'air dans son assiette en ce moment. Trop de pression, il supporte pas. Poussez-vous tout le monde! Je sais ce qu'il faut faire!
T'as vu, je suis Cap. Je me souviens de rien, mais je suis Cap. T'étais là, toi, c'était comment? Très romantique. J'ai réussi. À moi de te lancer un défi maintenant. T'es pas capable d'embrasser un garçon! Cap! Non, ça compte pas, là. Quoi? T'es pas un garçon? Elle m'énerve! Alors, c'est course! Laisse-moi deviner, t'avais une petite envie de fromage? Même pas. J'suis trop nul. Bon, t'as essayé de brancher Jennifer, c'est ça? Tu parles? J'ai même pas réussi à l'inviter. Elle est tellement belle, intelligente, élégante, raffinée. Vous avez besoin d'un renseignement, Hubert? Non, je... Merci. Au revoir. Tu l'idéalises trop! Ce qu'il faudrait, c'est que tu sortes avec d'autres filles pour t'entraîner. Les autres filles, je m'en fiche. Y'a que Jennifer qui compte. C'est la seule, l'unique. Debout, mon grand, faut se bouger. Pas envie. Aujourd'hui, travaux pratiques. Vas-y, lâche-toi, c'est juste un entraînement. Bonjour Jennifer. Vous... Comment dire? Non, rien. Raté, mais c'est pas grave, on recommence. Jennifer, est-ce que vous voulez déjeuner avec moi? Elle n'a pas dit non! C'est bien! Lâche pas la pression! Contrairement au verre, le cristal renferme 30% d'oxyde de plomb. C'est ça qui lui donne sa brillance. Dingue, non? J'ai l'impression de l'ennuyer. Intéresse-toi à elle! Pose-lui des questions au lieu de blablater! Et sinon, c'est quoi votre couleur préférée? Bleu? Comme moi, c'est dingue! Enchaîne! Le bleu, c'est beau comme... C'est beau comme la mer, comme le ciel, comme mes pattes quand j'ai froid! Et comme vos yeux aussi. Bravo, champion! J'y suis arrivé! J'ai dit des mots d'amour! Tu vois, l'entraînement, y a que ça de vrai! Tu peux te lancer avec la vraie Jennifer, maintenant! Tout s'est passé comme dans un rêve. Hein, bébé? Qu'est-ce qu'elle fait encore là, elle? On a été au parc, les oiseaux chantaient, le soleil brillait, les bourgeons bourgeonnaient. Tout était réuni pour célébrer notre amour. On a fait du manège, elle était là tout contre moi, j'en ai encore des frissons. Hélas, le temps passait si vite. Pour immortaliser ce merveilleux moment, tu veux faire un gage de mon amour éternel. Non, mais attends... D'ailleurs, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Jennifer va venir vivre à la maison. Je suis sûr que vous allez devenir les meilleures copines du monde. C'est bientôt fini, là-dedans. Bon, je vous préviens, à trois, je défonce la porte. Tu peux aller me chercher l'huile de mon œil? C'est pour Jennifer. Elle a les pointes toutes sèches. Ne t'inquiète pas, mon amour. Le problème est réglé. J'hallucine. Je la connaissais pas, celle-là. Je te l'emprunte. On va faire la vaisselle entre filles. Ah, ça va papoter. J'ai déjà les oreilles qui sifflent. Mon service en porcelaine de l'image. C'est elle qui l'a fait tomber. Il y a de l'eau dans le gaz entre vous? Tout va bien. Elle est juste bouleversée.
parce que je viens de prendre 2 billets pour le festival du Bigoudi à Dreuzon-les-Bains. Fallait au moins ça pour fêter notre première journée de vie commune. Oh, mais quelle gourde! Jennifer, tout va bien? Regarde-moi ça, elle a ruiné tous tes polos en renversant son vernis à ongles. J'adore! Les motifs, c'est furieusement tendance cet été. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est Jennifer qui a évité des potes. Ça te pose un problème? Pas du tout. Les amis de Jennifer sont mes amis. Enchanté, Hubert, le fiancé de Jennifer. Alors comme ça, vous êtes étudiant en biologie. Passionnant. Excellent, mais Jennifer me l'avait déjà raconté. Ta copine ruine ton salon avec ses potes et tu dis rien? Tu sais, la vie de couple, c'est apprendre à faire des concessions. Et puis pour moi, il n'y a que Jennifer qui compte. C'est la seule, l'unique. Ça te dérange si j'invite quelqu'un à dîner ce soir? J'y vais! Bonsoir. Jennifer? Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, c'est vous qui m'avez envoyé un message pour m'inviter à dîner, non? C'est moi. Enfin, c'est nous. Ah, vous faites de la sculpture, Hubert. C'est... Oui, c'est très beau. C'est moderne. Oui, oh, en amateur. D'ailleurs, ce n'est qu'une excuse sans intérêt. Mais entrez, entrez, je vous en prie. Contrairement au verre, le cristal renferme 30% d'oxyde de plomb. C'est ça qui lui donne sa brillance. Dingue, non? Ah oui, oui, c'est... C'est fou. Enchaîne. Et sinon, c'est quoi votre couleur préférée? Vous aimez le bleu? Jaune. Bleu? J'adore le jaune. Comme vous.